Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Colofab. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je vais donc vous présenter aujourd'hui un nouveau livre que j'ai reçu de ma très chère illustratrice Gabby Wolf. Un très beau livre qu'elle vient de sortir qui s'appelle Minimania Coloring Book, c'est le volume 1. Donc je vais remercier Gabby. Thank you so much Gabby for this gift. I love it. It's very very cute and very adorable. Thank you so much for the gift. And voilà. Merci. Il est vraiment très 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 joli. Je suis trop contente de l'avoir reçu. C'est des petits animaux qui sont super super mignons, vous allez voir. Donc c'est un livre souple, papier Amazon. On retrouve donc un petit univers avec des petits lapins, des petits chiens, des petits... Vous allez voir, c'est trop mignon. Des petites valises, des petites machines, vieilles machines à coudre transformées en univers maison. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément sur ce que fait Gabby. Elle arrive à transformer des petits univers comme ça, c'est trop trop mignon. Alors elle a quand même innové dans ce livre. Vous avez vu, il est beaucoup plus épais parce que en fait on a deux sets de pages. Elle a fait un set, un set avec les illustrations en line art foncé et un dos vierge. Comme ça, on peut utiliser quand même ce qu'on veut. Et la nouveauté qu'elle a fait, en fait, elle a fait un second set. Donc, c'est exactement les mêmes colos dans un second set. Et celui-ci, elle l'a fait avec des teintes plus pâles. Et elle a fait le dos noir pour qu'on puisse colorier au marqueur à alcool, tout simplement. Ce qui fait que là, vous pouvez très bien colorier marqueur à alcool aussi, crayon de couleur. Ou ici utiliser l'aquarelle, pourquoi pas, et utiliser que le second set pour faire au marqueur à alcool. Et j'ai trouvé ça super génial. C'est ce que j'ai eu un petit une petite discussion sur ça avec Gabby, et je lui disais effectivement que j'aimais beaucoup colorier ces livres au feutre à alcool et à l'aquarelle. Mais le problème du feutre à alcool, c'est que ça traverse. Et que moi, quand je fais un colo, par exemple, mettons, je vais dire n'importe quoi, celui-ci, on va voir derrière, on va voir toutes les marques. Ce qui fait que moi, ça me gêne après pour faire le prochain. J'ai ce visuel à côté, là, et j'arrive pas à me concentrer sur le prochain colo. Et ce qui est bien, c'est que quand on a le papier noir, voilà, ça transperce. On voit un petit peu, mais on voit vraiment beaucoup, beaucoup moins. Ce qui fait que ça ne nous gêne pas pour entamer le colo à côté. Donc ça, c'est super qu'elle ait repris cette idée-là. Voilà, et donc là, je vais vous le présenter maintenant en musique, ce petit livre. Il est vraiment adorable, donc encouragez-la parce que Gabby, voilà, c'est une personne magnifique, merveilleuse. Elle est vraiment très 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 gentille, elle prend le temps de discuter avec vous, elle est vraiment super comme illustratrice, vraiment c'est une personne que j'affectionne énormément. Donc voilà, c'est vrai que tous ces petits livres sont vraiment mignons et ils méritent d'être vus, d'être achetés également. Donc voilà, si vous voulez contribuer au volume numéro 2 peut-être, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme d'habitude, c'est un livre qu'on retrouve sur Amazon, bien entendu. Et c'est parti, on regarde ensemble ce très joli livre. Merci beaucoup, passez une belle journée et de beaux coloriages. Bye bye.